Oui, une grosse satisfaction. J'avais demandé à mon équipe, par rapport au match aller, de montrer qu'on avait grandi. Et je pense que ce soir, on a montré qu'on a bien avancé, à la fois dans l'aspect tactique, dans l'aspect aussi collectif, dans l'aspect technique. On a montré de très belles choses. On a marqué assez rapidement. Après, je pense qu'on a contenu un petit peu le match, même si à la mi-temps, il a fallu recadrer certaines choses. Mais pour autant, on a fait le match que je voulais et venir prendre 3 points ici, c'est très important pour la suite. C'est un petit peu, malgré tout, naturel. Des fois, quand on marque, on recule un petit peu pour contrer. Mais je pense qu'on a perdu un petit peu aussi la bataille du milieu à un moment donné, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Donc il y avait des choses qui ne me plaisaient pas trop, qu'on a essayé de remettre en place à la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, je pense que par contre, là, on aurait dû tuer le match bien avant, essayer de marquer toutes les occasions qu'on a eues. Et j'étais pas très satisfait des 5 dernières minutes parce que prendre un but, c'est pas anodin et ça peut aussi, à un moment donné, être difficile pour les matchs suivants. Donc je leur ai dit qu'il fallait surtout pas se relâcher et être encore plus exigeant. De toute façon, c'était le but, c'était d'essayer de rester bien en place, d'essayer de... On savait que de toute façon, à nos récupérations de balles, on aurait la possibilité de marquer. Et ça a été fait, ça aurait pu être fait encore plus, mais... Voilà, malgré tout, je suis très heureux aussi que Max marque parce que ça faisait un moment qu'il cherchait un but et ce soir, ça lui permet d'ouvrir son compteur. On avait à cœur de rééditer ces 3 victoires consécutives. Voilà, on est sur une bonne série, il faut continuer comme ça. Et c'était pas un match facile. Voilà, on a su rester rigoureux, sérieux, solidaire et on a su être réaliste devant aussi. On a réussi à marquer très tôt en première mi-temps, voilà, et on a su profiter des espaces qui nous ont laissés. Voilà, c'est une équipe joueuse aussi, on savait. Et il fallait jouer les contres à fond, on l'a réussi. Voilà. Aussi en deuxième mi-temps, on a réussi à marquer très tôt. Du coup, ça a un petit peu mis un coup derrière la tête. Et on a su après rester calme et solidaire pour faire les efforts tous ensemble et ramener les 3 points ce soir. On a vu sur les phases aller, voilà, ces matchs-là, on les a perdus. Et ce soir, on ramène les 3 points. Donc on va se satisfaire de ça, on est très très content. Voilà, on a montré de la qualité aussi dans notre jeu. On continue sur notre série positive. Premier but, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair. Ouais, je l'attendais, bien sûr. Tout le groupe était content pour moi, voilà, le staff aussi. J'avais à cœur de marquer mon premier but sous les couleurs troyennes, oui, c'est sûr. Voilà. C'est bien des passes, mais marquer aussi, c'est bien. Du coup, non, je suis très content. En plus, comme je l'ai dit à vos confrères, voilà, il y a la victoire au bout. Et c'est le plus important. C'est que j'ai marqué, oui, je suis très content. Mais c'est qu'il y a une victoire au bout aussi, qu'on ramène les 3 points pour recoller au classement encore. On est des compétiteurs, on veut gagner le plus de matchs possible. Après, voilà, comme nous l'a dit le coach, on attend jusqu'à la 30e journée pour voir où on se situe, engranger le maximum de points et puis après afficher des ambitions.